Ah, j'en doute pas. C'est jouer qu'une heure par jour au jeu à peu près. Moi, je pense qu'il manque un peu ce véhicule. Les vibrations. Xbox Game Pass inclus. N'oubliez pas de rajouter le nom Caribou Canadien sur le cellulaire ou PC pour pouvoir me rajouter. Vous allez où, vous me parlez? J'ai vu Charlie, t'avais commencé à jouer au jeu toi aussi? C'était pas clair ce qu'il fallait faire. Et je pense pas que je pouvais sortir de là. Tourner autour de la bâtisse longtemps, on a ce truc. Bon. Qu'est-ce qui se passe, mon lapin? Un escalier là.
c'est beau, par exemple. Je pose du savoir. Comment je vise quelque chose? Et voilà. Y a-tu Xbox Game Pass? J'ai fait la demande pour l'avoir, ce jeu. Ben, le film, c'est Castaway. Je pense qu'il se trompe, moi. En français, c'est seul au monde. Mais... J'étais aveugle, je le voyais pas ou quoi? C'est en haut. Ah! Les Français? Non, Canadien. Ça va, Willy?
J'ai fait la demande pour l'avoir. Si je suis chanceux, je vais peut-être l'avoir. Ça va bien, merci Willy. Mais là, mardi, on va avoir un super bon jeu aussi. Celui que je suis en train de jouer, c'est un thriller, science-fiction, c'est inclus dans Xbox Game Pass. Ah non! C'est boire de tabarnak! J'ai presque sauté en bas, stick. Mardi? Des mers 1998. Celui-ci, non? M-A-R-E. Je l'ai déjà fait quelques jours, mais je peux pas le diffuser, fait que je joue pas. M-A-R-E. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir un mixeur, mon cher Willy? Hey, Willy 94, bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon cher ami. Ça fait super plaisir de t'en follow. Oh yeah! Ouais, je le connais, il est devenu partenaire il n'y a pas longtemps. C'est bien ça.
la porte, j'imagine. Bon. Ah zut. Ah, c'est par là faut que je vais, ok. Effectivement. Toi, je te déteste, Willy. Ça, c'est pas pareil. Je fais des blagues. Tu joues à quoi, Willy, principalement? Bon, qu'est-ce que je dois faire? Retourner au centre de contrôle pour déterminer la nouvelle fois l'état de... Ok, ouais, faut que je vérifie probablement sur un ordinateur. Ah, ici. Oui, là. Diagnostic en cours, émetteur du récepteur MPT de la station lunaire Copernicus. Connexion de réseau non établie. Putain. D'accord. Il n'y a pas un signal garé de nulle part. Ah, mais ça a quand même fonctionné. Ok, ça a fonctionné. Moi, je joue à plein de jeux. Apex. Je joue à près à 4-5 jeux différents à une heure par jour. Sinon, beaucoup d'Apex. J'ai réussi à avoir beaucoup, beaucoup de jeux. Donc, je m'intéresse beaucoup à toutes les nouveautés qui sortent. Excellent, Willy. Que nous n'avons jamais réussi à entretenir. C'était notre maison. Notre planète bleue. Mais la Terre que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'un ersatz, une pâle copie de ce qu'elle était. La MPT nous a enchaînés à un caillou aride. Mais c'en est fini. Vous qui êtes réunis ici, vous êtes des survivants. Vous êtes ici parce que vous êtes les plus forts. Les plus intelligents et les plus brillants de l'humanité. Ensemble, nous osons prendre les risques nécessaires pour atteindre l'excellence, pour commencer une nouvelle ère de découverte, comme nos ancêtres lorsqu'ils prirent la décision fatidique de partir explorer de nouveaux mondes. Nous pouvons faire demi-tour et nous confiner à une planète mourante où nous pouvons regarder vers l'avant. L'heure est venue d'agir. Prenez votre décision, ici et maintenant. Une nouvelle aube se dessine pour l'humanité, et cette aube se lève dès aujourd'hui. Wow. Pour cette année, ouais. Mais c'était plus intéressant au début. Aujourd'hui. Ah non, 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 pas encore. Les événements catastrophiques qui ont eu lieu sur l'installation de tombeau nous ont fait prendre conscience d'une réalité indéniable. Nous avons perdu des amis, des collègues. Nos confrères ont sacrifié leur vie pour une cause perdue, pour une planète que nous n'avons jamais réussi à entretenir. Ouais, j'ai YouTube. Je place mes jeux que je joue dessus. Faut que je sache de où la panne vient. La station lunaire Copernicus
Ah, j'ai presque rien. C'est juste pour placer mon matériel. Pour certains sites que je dois mettre absolument des vidéos, c'est plus pour... Bon. Quitter la station lunaire compartiment avec le monorail. Activer la station du monorail. C'est où le monorail? Ça, c'est le dortoir. J'ai pas gardé beaucoup parce que j'aime pas garder trop les trailers avant de jouer. Quand je sais déjà que je vais jouer un jeu. C'est la même chose pour les films. Quand je sais déjà que je vais regarder un film, je regarde pas le trailer parce que, crème, tout est marqué dedans. J'ai pas trop regardé. Je sais quelle sorte de style de jeu tu sais. C'est assez. Ouais, c'est le but d'être comme un peu comme Resident Evil. Là, Charlie arrête de respirer. Je suis pris. C'est quoi la station du monorail? Ça dit activer la station du monorail. Voyons, tabarouette, backup. Quelque chose de bleu quelque part parce que là ça va pas bien là. Perdu. C'était la station lunaire Copernicus avec le monorail.
Quel jeu qui sort le 28 août? Je connais aucun de ces jeux-là. J'ai joué à aucun. That. Salut, zéro de corgi. Je viens de voir quelque chose là. C'est quoi ce discours? C'est quoi? Tu ne peux pas décider ça tout seul, pas vrai? Écoutez, nous ne donnons pas les ordres, d'accord? Alors donnez-moi un coup de main. Franck, posez ça. Vous ne savez pas à quoi sert l'hélium? Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il soit ici au lieu d'être à côté du réacteur qu'il est censé alimenter? Bien sûr que je le sais, c'est juste... Quoi? Nous devrions accepter tout ce qu'il dit? Vous vous rendez compte des conséquences si nous partons alors que la MPT est déconnectée? Quel choix avons-nous? Qu'est-ce qui nous retient là-bas? Les inondations, les tempêtes de poussière, la chaleur écrasante? J'en ai assez. Le conseil nous a donné une seconde chance et je vais pas la gâcher. Fini de discuter. Donnez-moi un coup de main. Alors ça c'est le monorail, on l'a bien compris. Salut Zérolite, ça s'appelle Délivrez-nous la Lune, Deliver Us the Moon. Ici Sarah Baker, ingénieure en chef de la station spatiale Pearson. On m'a envoyé enquêter sur la coupure générale avec Rolf Robertson, un mécanicien de la station. J'ai été attaqué et assommé par une unité AZ. Les raisons de cette attaque restent obscures. Il semble que mon partenaire d'expédition soit parti, et je n'ai aucun moyen de contacter la station spatiale Pearson, ni aucune autre installation. Je vais traverser la frontière après l'avant-poste Copernicus 1 pour atteindre Tombo et essayer d'identifier les causes de la déconnexion de la MPT. Si vous trouvez ce message, essayez de me contacter. Alex, coupe l'enregistrement. Thank you.
Présentement, c'est dans le Xbox Game Pass, il est inclus. Je sais pas si tu l'as déjà. C'est Frank qui a le code. Votre attention, colons de Copernicus 1, ceci est une évacuation. Le réacteur de Tombo a subi un dysfonctionnement critique. Nous sommes ici pour vous évacuer vers la station lunaire Copernicus. Oh là, une seconde, qui vous a envoyé? Nous sommes ici sur ordre du Conseil lunaire. Le Conseil lunaire? Franck, est-ce que quelque chose cloche sur le réseau MPT? Je ne détecte rien d'inhabituel. Tout a l'air de bien aller à Tombo. Vous pourriez peut-être commencer par vous expliquer un peu plus? C'est pour votre sécurité. Le Conseil vous expliquera tout une fois les colons en sécurité sur la station lunaire. Alors comme ça, c'est MacArthur qui commande maintenant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Emmenez-les. Comment? Ne me touchez pas! Équipe d'évacuation à MacArthur, nous passons à l'étape 2. L'équipage de l'avant-poste et le paquet sont en route pour la station lunaire. Toutefois, nous n'avons aucune nouvelle de nos collègues sur Reynolds. Bon travail. Attendez qu'ils dépassent l'avant-poste 1. Recontactez-moi quand la deuxième équipe d'évacuation sera arrivée. Terminé. Ah oui. Et je joue le plus. C'est encore moi, Sarah Baker, ingénieure de la station Pearson. J'ai quitté la station lunaire pour rejoindre cet avant-poste. On m'y a envoyé pour enquêter sur la coupure générale avec mon partenaire d'expédition. La station lunaire était complètement déserte à notre arrivée, et nous n'avons pas pu reconnecter la MPT. Nous avons été séparés et j'ai perdu tout contact avec lui. Je me rends seule vers Tombo pour poursuivre mes recherches. Ma seule piste, c'est qu'il a dû arriver quelque chose à l'installation du réacteur. L'entrée de la station du monorail est bloquée ici. Je vais devoir trouver un autre moyen de transport. Ça vaut la peine d'essayer. Oh, Lucky, là. Comment ça va, mon Lucky? Ah oui. C'est le jeu que je vais jouer juste après. Power, t'es là? Allô, tu es la cloche qui vient d'arriver. Bien qu'il est... a suivi une formation en génie logiciel plutôt qu'au mécanisme. Ça a trouvé un nouveau moyen de transport après avoir changé la roue d'un rover lunaire abandonné. Néanmoins, étant donné l'autonomie limitée de ce type d'appareil, il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu rejoindre l'installation de Tombo avec. D'accord.
Qu'est-ce qui se passe? Calice. Ça marche. Hihi. Oh, calice. Un quartier, me voilà. Ah. 1, 8, 8, 1. Tu peux écrire ça, s'il te plaît, 1881. Charlie, tu mérites rien que de faire botter le... Je le vois encore, puis je me rappelle aussi, je sais pas si mongol. Pas le code le plus compliqué sur la Terre. Hein. Tout va bien, Reynolds. Vous vouliez que je vous prévienne quand Metal Joe Johanna retournerait à Tombow. Elle vient de passer cette station et je devrais bientôt arriver à Tombow. J'espère que ça vous aide, quel que soit votre plan, Frank. Frank, bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Je décèle une tendance, je suis sur le point de la mettre à jour. J'attends juste une nouvelle réponse. D'accord, Edgar, bonne chance. Frank, c'est le moment, j'avais raison. 3 trains de monorail ont quitté Tombow. L'un d'entre eux se dirige vers Hungen, les autres vers la station lunaire. Les premiers trains pour la station lunaire devraient bientôt atteindre votre station, mais le deuxième n'arrivera pas. Tant que je n'aurai pas obtenu quelques réponses, c'est la clé, Frank, la clé. Pour comprendre ce que je conseille Manigance depuis tout le temps, j'y suis presque, Edgar.
Je suis là. Je suis Edgar. Épuisé pour tout aussi déterminé, l'astronaute sur la piste de la vieille amie tandis qu'il construit. On s'en fout. Hashtag on s'en fout. Ok, mais là j'ai venu ici comme pour rien là. Je pense que c'est ça qui vient d'ouvrir. Tatou Ryan, bienvenue à la tribu du Caribou canadien. Mon ami, ça fait super plaisir de te follow. Oh yeah! Puissant et présent en abondance sur la Lune, l'hélium 3 a été considéré comme la solution de la crise énergétique frappant l'humanité. Comme il est récolté et transformé directement sur l'installation de Tombow, le Conseil lunaire autorise rarement le transport de cette ressource loin du réacteur. Que veux dire, toi? Ouch! Gros gif à Garibou. C'est quoi ça? Ouch. Ouch. Moi, Charlie, tu me déconcentres dans ma game. Ah, il y a un escalier. Équipe d'évacuation à MacArthur. L'hélium et le personnel de l'avant-poste Copernicus 1 sont arrivés sur la station lunaire, monsieur. Mais toujours aucune nouvelle de l'équipe d'évac 2. Nous essayons de les contacter, mais nous n'obtenons aucune réponse. Comment voulez-vous que nous procédions? Fermez la porte et rendez-vous sur la station lunaire. Le carburant doit être en place avant notre arrivée avec les évacués de Tombow. Monsieur, l'autre équipage ne sera pas rentré à temps. Ils manqueront le lancement. Ils connaissaient les risques. Fermez la porte. C'est un ordre. À vos ordres. Ouais, j'aime bien. Merci.
Ah, je comprends. Les couleurs, c'est supposé venir, esti. Et bleu. Je suis tellement bon! Et sur ce, nous continuerons cette aventure demain.